Faites-moi. Faites-moi. Mais je vous permets pas, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce genre? Qu'est-ce qu'il y a dans le dos? Un tatouage. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Est-ce que j'ai une tête à avoir une reproduction? Non mais faites voir, mais faites voir. Oh, mais arrière, jeune homme. N'irait pas me dire. Mais je n'ai rien à vous dire, monsieur. Vous le saviez, hein? Non, pourquoi le saurais-je? Hein? Je veux voir ce tatouage tout de suite. Alerte! Monsieur Legrand, j'aimerais vous présenter Monsieur Mézeray, un grand ami des arts et un collectionneur financier. Et le dernier des paltoquets, vous oubliez de le dire. Mais c'est vraiment un Modigliani! C'est un Modigliani. Oh, authentique! Je ne permets pas à un va-nu-pied de votre espèce de mettre en doute la parole d'un légionnaire! C'est vraiment Modigliani qui vous l'a tatoué? Mais merde! Vous avez raison! Chut! La ferme, vous! Monsieur Legrand, vous m'entendez? Je vous l'achète! Me prendriez-vous pour un saucisson, un pied de porc, monsieur l'épicier? 500 000! Oh! Allez, 500 000! Bon, alors un mien! Savez-vous, jeune homme, que je vais vous foutre mon pied au cul? Oh, messieurs, messieurs! Mais la ferme! Comment la ferme? Non, non, je dis ça à l'autre. Bah, écoutez, écoutez, écoutez! Je vous donne 2 millions pour ce que vous avez dans le dos. Comment ce que j'ai dans le dos? Me prendriez-vous pour une prostituée bourgre d'abruti? 3! Monsieur Dubois, je ne vous félicite pas pour la qualité de vos relations. Excusez-le, monsieur Mézeray. C'est un original, il est un peu fou. Écoutez, je vous ai déjà dit la ferme! Alors, il me manque 3 tableaux. Bah, il faut le temps. Alors, mettez-y le pépé, la mémé. Mais mettez-y tout le monde!